Allô? Écoute, maman est près de toi. Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain, mais je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important. Et il attend. Dis, tu y as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes, elle me dit toujours tout bas, réponds que je suis pas là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Et il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres ont celle de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'est ton âge, mon enfant. Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone ne pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone ne pleure, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Dis, écoute-moi, seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? Tu y étais, toi, Sainte-Maxime? Dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi, je vous aime. Tu nous aimes, mais je t'ai jamais vu, moi. Et qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais te plaît, pourquoi? Le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Oui, le téléphone pleure, non, ne raccroche pas. Je suis si près de toi avec la voix. Oh, dis, écoute-moi. Oui, le téléphone ne pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Oh, dis, mais retiens-la. Mais elle s'en va. Allons, insiste. Elle est partie. Si elle est partie, alors tant pis. Au revoir, monsieur.